Tout d'abord, le Moudjahed et premier commandant du corps de la gendarmerie nationale de l'Algérie indépendante, Ahmed Ben Cherif, s'est éteint hier soir à l'âge de 91 ans, plus connu sous le nom du colonel Ahmed Ben Cherif. Cet ancien officier de l'ALN sera arrêté par l'armée française en octobre 1960. Il sera jugé, condamné à mort et emprisonné jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Après l'indépendance, il fut nommé à la tête du commandement de la gendarmerie nationale jusqu'en 1977, date à laquelle il fut désigné ministre de l'Environnement avant de prendre sa retraite. Dans un message de condoléances à la famille du défunt, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, salue la mémoire d'un grand mujahid et d'un militant de la première heure. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.